Salut à tous, c'est Enax de la Team Await, et non, ce n'est pas Vilou comme chaque semaine, mais cette fois-ci c'est moi, car nous avons décidé en fait d'alterner la présentation des top 10 kills. Donc cette semaine, bah, c'est moi qui aura le plaisir de vous présenter ce top 10 kills, et vous retrouverez Vilou donc la semaine prochaine. Donc avant de commencer, bah, nous tenons toujours à remercier nos abonnés, car le nombre n'arrête pas d'augmenter, nous venons de dépasser les 230 là, donc ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive vraiment pour continuer nos vidéos. Voilà, donc on va commencer tranquillement à la 10ème place avec Antarclac qui joue à la G36C sur résistance et qui va nous proposer tout d'abord une petite triple élimination. Voilà, donc bon, ensuite il se passe pas grand chose, mais il y a un petit bug là du mode studio. Mais quelques secondes après, donc il va nous refaire un kill, puis 2, puis 3 pour la triple, puis un petit double pour terminer sa petite série. Donc on se retrouve à la 9ème place avec Antarclac, donc le même. Et il joue cette fois la MP7 sur Interchange, donc c'est un clip un peu what the fuck, parce que vous allez voir, c'est d'abord un kill, puis une double, puis là je sais pas vraiment s'il a voulu le faire exprès, mais encore une double. Donc ça fait 5 clips en 5 kills en très peu de temps, très beau clip quand même. À la 8ème place on retrouve 6K91 qui joue avec son arme secondaire, donc la MP9. Chargeur grande cap qui va arriver et là en mode bourrin, hop, quad feed. Voilà, duo magnifique. Je vous en ai pas parlé, mais vous aurez pu remarquer également la petite animation au niveau des chiffres pour le top 10. Voilà, juste petite parenthèse. Et on continue à la 7ème place, donc avec Noblazman qui joue avec son petit sniper, je sais plus le nom, attendez. Le Barrett, voilà, et dans un spot très connu, donc sur C-Town, et donc il va nous enchaîner. Alors, une kill, là il mitraille un peu, deuxième kill, puis une triple avec une balle, dont un headshot, voilà, très beau clip. À la 6ème place, on retrouve Tactical, qui joue à l'intervention sur MW2 sur la map Carry. Il va avancer, nous faire un kill, un deuxième, puis un troisième, mais en ratant la collate. C'est dommage. Nous voilà à la 5ème place avec 2JSK8 qui va jouer au Space 12 sur la map Dome. Et non, le Space 12 n'est pas mort sur un W3. Il va nous prouver avec tout d'abord un premier headshot sur un AFK. Un deuxième kill. Il va se retourner car il a vu que les ennemis sont apparus sur le radar derrière lui. Et là, la séquence 1, 2, 3 et 4 pour la quad feed. Très bel enchaînement de 2JSK8. À la 4ème place, on se retrouve avec Monsters, qui joue au barrette sur la map Baccarat. Donc il va mettre des jolis quickscopes, vous allez voir. Premier, voilà, le deuxième qui s'allongeait, là le troisième en réflexe, et le quatrième pour finir sa petite série sur une double. Allez, on rentre dans le top 3, avec à la 3ème position, Krezix, qui joue sur la map Lockdown, avec son MSR, et il va rusher là, il va faire un headshot, un deuxième headshot, voilà, et il a juste le troisième headshot, très belle triple feed headshot. En deuxième position, on se retrouve avec Xenon Icestorm sur la map Ardat qui va nous montrer comment se servir d'une ACR. Donc il commence avec une double, puis une single dans le tunnel, donc c'est en élimination confirmée, donc il ramasse le deuil maintenant. Là il se fait un masto, donc c'est pas rien, puis il continue, un deuxième, un troisième, un quatrième, encore un cinquième, je sais plus à combien il est, mais je crois que ça fait 8, et là il finit avec un petit dernier qui traînait là-bas, et il cut la petite tourelle pour nous montrer sa joie. On arrive donc à la première place, position, avec Psycho qui joue au barrette sur la même map Ardat et qui va nous montrer comment se servir d'un barrette. Donc il a déjà fait 2 kills, le troisième dans le tunnel. C'est même pas de la camp, c'est parce qu'il a 3 issues où les ennemis peuvent arriver. Un quatrième, un cinquième, il a débloqué en même temps son hélico, le sixième, le septième, non il part faire 7ème, 8ème et le 9ème. Voilà, très belle série. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce top 10 kills en ma compagnie. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça nous fait plaisir, ça nous encourage.
mettre un petit commentaire si vous avez quelque chose à dire dessus. Et n'oubliez pas, surtout pas, de nous envoyer vos clips, car nous en avons vraiment besoin. Parce que bah, sans ça, on peut, pas faire nos top 10 kills. Donc envoyez nos clips à l'adresse email qui sera dans la description. Voilà, voilà, ce sera tout pour moi. À dans 2 semaines. C'était Enax. Ciao.